Vous êtes devant le porteur de balle. Transmission longue. Reculez, monsieur, derrière. Cette image-là, ma première décision semblait bonne. Oui. Arrachage premier. Sortez, sortez vers, sortez vers. Derrière. Il y en a un qui gratte, hein. Non, mais je vous comprends, mais essayez de me comprendre aussi. Vous me posez une question, je vous réponds. Vous n'insistez pas après derrière, d'accord? Et on en discute après. Merci, capitaine. Reçu. Avantage, plaquage haut. Merci, avec plaisir. Il est sorti? Non, attends. Henri, c'est un succès qui a mis du temps à se dessiner, mais qui est évidemment précieux. Ouais, c'est vrai qu'on avait à cœur de gagner à nouveau. On sortait de deux défaites consécutives, donc on avait vraiment envie de renverser la tendance. Ça a été compliqué, on le savait, face à l'équipe de Pau revancharde après sa défaite à la maison la semaine dernière. Et c'est vrai que ça s'est décanté en deuxième mi-temps. C'est dommage parce qu'à la fin, on a presque l'occasion d'aller chercher un point de plus. Mais je crois qu'on va se contenter de la victoire. Bravo aux Palois et à nous de continuer de travailler très dur parce qu'on voit qu'on a encore pas mal de boulot. Laissé marquer par votre ailier Christian Way sur une petite erreur paloise, c'est ça qui lance un petit peu le match du Racing. Ouais, c'est vrai que ça vient d'une erreur paloise, mais aussi c'est une erreur qu'on a provoquée, je pense, avec un bon jeu au pied de Finn. Et voilà, c'est vrai que cet essai nous fait du bien et nous a lancé dans une belle dynamique de fin de match. Malheureusement, voilà, on a une occasion ou deux de mettre cet essai supplémentaire pour le bonus, on l'a pas saisi. Mais je crois qu'on le méritait peut-être pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Henri.